Mes chers amis, nous voici rassemblés en ce jour pour commémorer le 77e anniversaire de la fin des combats en Europe. Je précise en Europe, car les combats dans le Pacifique contre l'Empire du Japon devaient encore durer de longs mois. 77 ans après, nous nous retrouvons pour nous souvenir de ces terribles années de destruction. Destruction de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de la Russie, des océans et du Pacifique. 77 ans après, nous nous rappelons les sacrifices et la souffrance, ici même, dans cette ville, sur ces côtes devenues lieux de loisirs, où de jeunes soldats ont laissé leur vie. 77 ans après, la guerre de haute intensité est de retour en Europe. Ces commémorations, et notamment celle du 8 mai 45, sont toujours centrées sur ce qui a été l'opposition de deux mondes. Le premier était celui du Troisième Reich, la construction d'un empire millénaire fondé sur la race et qui devait anéantir tout ce qui s'opposait à lui et tous ceux qui n'étaient pas dignes d'en être les citoyens. La seconde était celle des démocraties occidentales. Ces démocraties qui avaient lutté déjà 20 ans auparavant dans ce qu'on avait appelé la « der des der », la Première Guerre mondiale, tant les massacres avaient été importants. Après 14-18, tout le monde était convaincu que l'homme, ayant constaté sa folie destructrice et surtout sa puissance industrielle de mort, ne pourrait plus jamais se faire la guerre. Et pourtant, seulement 20 ans plus tard, la guerre éclata à nouveau. Mais cette guerre était-elle inévitable, comme celle que nous constatons aujourd'hui? Ces commémorations auxquelles nous nous livrons chaque année ont-elles un sens si elles se contentent de rappeler les actes héroïques? Le vrai message de ces commémorations, et je m'adresse à vous, mes jeunes gens, je m'adresse à vous, jeunes générations qui portaient l'uniforme, et aussi à nos militaires, à nos marins, à nos artilleurs, à nos forces de l'ordre ici présents, et aux anciens combattants qui ont traversé ces décennies. Leur vrai sens est de se rappeler pourquoi les guerres peuvent se produire. Et dans ça, les rappels ne sont jamais inutiles. En 1918, la France est victorieuse. Elle est considérée alors comme la première puissance militaire du monde, tant par la quantité de son matériel que surtout par la valeur de ses soldats. Soldats que les Allemands ont redoutés car ils ont appris à les combattre dans les tranchées. La défaite de 1918 donne à l'Allemagne un sentiment d'humiliation qui permet en 1933 au pouvoir nazi, qui n'a jamais dissimuler ses intentions, tant de se réarmer que de reconquérir son espace vital, d'arriver au pouvoir. En 1935, l'Allemagne, en violation formelle du traité de Versailles, reconstitue son armée de l'air, la Luftwaffe. Le gouvernement français ne bouge pas. En 1935, les armées allemandes remilitarise la Rhénanie, cette région frontalière avec la France, que le traité de Versailles avait spécifiquement exclu de toute présence militaire. Le gouvernement français ne bouge pas. En 1936, l'Allemagne continue son réarmement et fortifie la frontière avec la France. Le gouvernement français ne bouge pas. En mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche et ses armées rentrent dans ce pays, après un coup d'État, les gouvernements français ne bougent pas. En septembre 1938, l'Allemagne annexe les Sudètes, démembrant ainsi la Tchécoslovaquie. Les Français et les Anglais se rendent à Munich et capitulent devant l'Allemagne en laissant tomber leurs alliés et en permettant au Troisième Reich de s'emparer de toutes les usines d'armement d'Europe centrale. Ainsi que le dit Winston Churchill à cette époque, vous aviez le choix entre la guerre ou l'humiliation, vous avez choisi l'humiliation et vous aurez la guerre.
septembre 1939, un an après les accords de Munich, les armées allemandes entrent en Pologne et les Français et les Anglais se doivent de déclarer la guerre. Mais il est déjà trop tard. Pourquoi vous fais-je ce rappel? Parce que l'Allemagne n'aurait pas pu se remilitariser et n'aurait pas pu être en mesure de faire la guerre si le gouvernement français n'avait ne serait-ce que protesté et bougé ses forces armées en 1936. Et de ces renoncements, renoncements qui font écho à d'autres, plus d'actualité, nous avons eu 5 ans de guerre. La France a été occupée, l'Europe, il y a eu les camps de la mort, les déportations, les massacres de masse, la destruction totale du nord de la France, l'anéantissement de tout ce qui a fait notre patrimoine pendant des siècles. Et des millions de jeunes gens, des millions de jeunes femmes ont perdu la vie. La faiblesse, même si elle est habillée de toutes les bonnes intentions de pacifisme, ne conduit qu'à une seule chose, l'anéantissement. Et aujourd'hui, vous le voyez encore, 77 ans après, combien de fois vous a-t-on expliqué que la guerre en Europe était du passé, que la guerre en Europe ne pourrait plus jamais se produire, que les conflits se limiteraient à de petites escarmouches très lointaines face à des groupes désorganisés. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre d'armée contre une armée, dans une guerre d'invasion, là encore, par un pouvoir qui s'est renforcé non pas de sa propre puissance, mais de nos renoncements successifs, tant européens, internationaux que français. Il ne s'agit pas ici de regarder quelles sont les causes de cette guerre, mais de regarder pourquoi elle a été possible et pourquoi exactement le même processus qui a consisté à reculer, à se désarmer. Et en ça, nous pouvons féliciter ceux qui ont dirigé ce pays depuis plusieurs décennies d'avoir démembré notre armée. Car dans le monde, vous le voyez aujourd'hui, sans puissance militaire, il n'y a non seulement pas de respect, mais surtout pas de paix. Surtout quand ceux qui doivent se faire respecter défendent les valeurs de liberté. Nombre de puissances aujourd'hui n'ont qu'une intention, remonter ce qui était jadis leur empire, prendre leur revanche sur l'Occident, et détruire ce qui nous paraît à nous un bien éternel, cette liberté dont vous bénéficiez aujourd'hui, cette liberté pour laquelle des jeunes gens et des jeunes femmes, encore une fois, il y a 77 ans, sont morts, y compris dans cette ville. Rien n'est éternel. Rien n'est acquis pour jamais. Tout n'est que fragile. La liberté, dans l'âge des hommes, est comme la flamme d'une bougie, fragile, vacillante, et elle aiguise bien des appétits. Et cela vaut tant pour les menaces extérieures que pour les menaces intérieures. Car là aussi, quand la lâcheté et la faiblesse règnent en maître, la seule chose qui en ressortira, c'est une crise bien plus grave que ce qu'elle aurait pu être si nous avions su faire preuve de discipline et d'autorité au bon moment. Et un jour, l'histoire le jugera tel qu'aujourd'hui nous pouvons le constater. Car il y a 77 ans, et même 87 ans, tout le monde pensait qu'en laissant du lest, on éviterait le pire. Vous avez bien vu le constat. C'est une loi naturelle. L'âge où l'homme sera un frère pour l'homme n'est pas arrivé. Nous sommes encore au temps des loups. Et ce message, et c'est à vous que je m'adresse, mes jeunes enfants, ce message, vous devez l'entendre. Vous devez l'entendre de part de vos aînés. Et vous devez rendre hommage à ceux qui s'engagent et qui portent l'uniforme. Et qui se battent aujourd'hui, bien, malgré bien des difficultés, y compris logistiques, issues là aussi d'une prise de conscience tardive, que la France ne restera la France que si elle sait à la fois se battre, être puissante et ne jamais renoncer, tant à ce qui a fait son histoire, sans aucune exception, qu'à ce qui fera son avenir.
c'est-à-dire une France forte, une France grande, une France universelle. C'est ça notre destin. Et si nous choisissons de ne pas avoir le courage de le porter, nous disparaîtrons. C'est en ça que je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Soyez français, soyez fiers de l'être et soyez toujours plus ambitieux dans vos actions. Ce n'est qu'à ce prix que nous réussirons. Vive Mandelieu et vive la France !